Lorsque vous avez un marché dont la population augmente, dont l'économie est en pleine croissance, dont les chiffres liés au tourisme augmentent ainsi que le nombre de gens qui utilisent les aéroports, et quand le gouvernement continue d'investir dans l'infrastructure avec 53 milliards de dirhams de transactions immobilières enregistrées ces 6 premiers mois à Dubaï, c'est la preuve que le marché est bon. Le marché est mieux réglementé qu'il ne l'était en 2008-2009. Les prix ont chuté d'environ 50% à cette période. Mais maintenant, le marché est plus stable. Et je pense que c'est le signe d'une meilleure réglementation. C'est dû surtout à ce qui se passe à l'échelle mondiale, comme les changements du prix du pétrole et la nervosité provoquée par le ralentissement de l'économie chinoise. Le marché résidentiel de Dubaï est très affecté par ce qui se passe dans le reste du monde. Parce qu'une grande partie des gens qui achètent ici sont des investisseurs venus de l'étranger.